Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un entretien sur une voiture. Je vous en ai déjà parlé, ça fait un moment qu'il faut que je le fasse. Je suis un peu en retard sur cet entretien. Aujourd'hui, on va faire la vidange de la Bottmobile. Et la Bottmobile, c'est quoi? Eh ben, c'est la Mégane de ma compagne. Donc il y a une agence d'architecture d'intérieur qui s'appelle Bott Secret. Donc forcément, sa voiture, c'est la Bottmobile. Et la première des choses que je fais, c'est que donc j'installe les deux rampes qui se trouvent là et là, juste devant les roues, pour en premier lieu monter la voiture pour qu'elle se retrouve un peu plus haute pour pouvoir aller dessous et vidanger l'huile. Et pour ça, la meilleure des choses, c'est encore de se faire aider par quelqu'un pour nous guider, pour pas tomber à côté d'une des rampes. Alors ensuite on se retrouve sous la voiture. Alors maintenant, comme tout véhicule récent, il faut qu'on enlève le cache en plastique qui est dessous pour accéder au moteur. Donc là on va commencer à regarder un peu où est-ce qu'il y a des fixations. Alors je me souviens plus trop, je crois qu'il y a les trois là. Je crois qu'elles sont juste à desserrer. Donc je vais déjà les desserrer un petit peu. Alors c'est du 10. Voilà, alors là je les ai juste desserrés un petit peu. Après, on se glisse un peu plus dessous. Là, on va voir celle-là. Il y en a une forcément à l'opposé. Donc il y en a deux derrière, une là, donc je les enlève aussi. Voilà. Alors, on va essayer de pas se prendre le plastique dans la tête et on va essayer de l'enlever donc du devant. Alors, c'est là où on va savoir si est-ce qu'il fallait juste les desserrer. Ou est-ce qu'il fallait les enlever complètement? C'est bien ça. Donc les trois de devant, faut juste les desserrer, puisque en fait le plastique est, c'est juste un trou, mais il est débouchant, donc on n'a pas besoin de tout enlever. Alors ensuite, on se retrouve donc sous le moteur. Là, on peut voir qu'on a le moteur qui est là, on a la boîte de vitesse qui est à droite. Alors là, j'ai une légère fuite. Je sais pas du tout ce que c'est. Et que je fasse le niveau, parce que je pense que ça vient peut-être de la boîte ou autrement ça vient du dessus du moteur. Enfin bref, ça faudra que je regarde plus tard. Et donc on va se munir donc d'un bac pour l'huile usagée. Je pense que ça vous connaissez tous. J'ai acheté moi une clé carrée qui va sur l'embout du bouchon de vidange sous le moteur. Et donc on va le desserrer tout de suite. Oula. Alors là, je ne l'avais pas serré du tout moi. Moi qui avais fait la dernière vidange, il faut croire que je l'avais pas serré. Donc là, je le desserre et je l'enlève et on laisse couler l'huile, bien sûr, pour vidanger. Alors bien sûr, faites très attention à avoir un bac qui soit à minima plus gros que ce que vous allez mettre comme huile dans la voiture. Parce que si ça déborde, vous allez en mettre littéralement partout. Alors ensuite, on va aller au niveau du moteur, j'ai ouvert le capot. Bien sûr, c'est beaucoup mieux pour travailler quand même. On va aller à ce niveau-là, juste là derrière, là, on a le filtre à huile qui est juste là. Donc pour l'enlever, je pense que comme beaucoup de personnes, on a des soucis pour démonter les filtres à huile. Alors moi personnellement, à un moment en fait, j'ai acheté un bon outil, enfin pour moi c'est un bon outil. C'est un outil qui permet en fait de démonter plusieurs filtres à huile parce que en fait il est extensible. Vous voyez, on peut l'étendre et on peut le diminuer. Donc en fait niveau taille, on arrive sur des tailles de filtres quand même assez gros jusqu'à quand même assez petit, voire le petit peut-être pas quand même, mais on arrive à des belles tailles quand même. Donc là, pour le mettre, c'est tout simple. En fait, vous l'étendez au maximum. Vous voyez qu'il soit ouvert au maximum. En fait, vous faites comme si vous alliez desserrer le filtre à huile. Donc vous allez tourner la vis par là.
et ça va vous amener les dents en fait dans le bon sens pour desserrer. Après on vient le placer sur le filtre à huile. Donc là c'est la partie la plus chiante, on va dire. Excusez-moi si ça bouge. Le support de la caméra est pas top. Et après on vient prendre un cliquet, on met dans le gros écrou qui est devant et simplement on desserre. En fait, il n'y a pas à se triturer l'esprit, à se demander est-ce que j'ai la bonne taille de clé, de filtre ou quoi. Ça, c'est top. Donc, quand le filtre est desserré, après, on peut le desserrer à la main. Alors là, je peux vous dire qu'il bouge. Là, c'est bon. Je vais préparer quand même du chiffon. Parce que comme on le sait, le filtre à huile est plein d'huile. Donc, je mets du chiffon en dessous. Hop, et je desserre le filtre. Et après, quand il est desserré, il faut tout de suite le retourner pour éviter de mettre de l'huile, de vider le filtre en fait sur le bas de la voiture. Ah, bon ben là, si on laisse tomber le filtre, forcément, il va y avoir de l'huile partout. Bon ben là, j'ai complètement merdé. Ah non, coup de chance, filtre à huile est tombé dans le bon sens. Alors pendant que j'y suis, je nettoie un coup le support du filtre à huile, surtout le tour, pas qu'il y ait de l'huile partout. Hein. Voilà. J'ai pris le nouveau filtre à huile. Alors sur la Mégane 3, c'est le W79 pour le 1,5 litre DCI. Et alors je cherche ce qu'ils nous disent. Voilà. Ils disent de mettre une goutte d'huile sur le joint qui est juste là. Après, ils disent de le serrer à la main. Et quand on arrive à la fin du serrage à la main, il faut qu'on fasse encore 3/4 de tour. Donc là, on va respecter les consignes. Je vais prendre un peu d'huile. Alors, je vais prendre de l'huile qui était sur l'ancien joint. Alors c'est pas top, il n'y a pas assez d'huile là. Hop, je mets un peu d'huile donc sur mon doigt et je graisse le joint. Après je serre le joint, le filtre à la main. Voilà, donc là je suis serré. Donc là maintenant il faut faire 3/4 de tour en plus. Donc 1/4, la moitié, là ça va devenir un peu raide. Voilà, 3/4 de tour. Quand on a changé donc le filtre à huile, maintenant on va reboucher le bouchon de vidange d'huile. Alors n'oubliez pas de le faire parce qu'autrement l'huile que vous allez remettre va redescendre directement en dessous. Ce que je fais, c'est que je prépare tout de suite un nouveau joint. Ça, on le change à chaque fois, c'est une obligation. Je le remets directement sur le bouchon de vidange. Je vais, comme il y a un petit joint en dessous en plastique, je vais hop, prendre un tout petit coup d'huile, le graisser aussi comme le joint en fait du bouchon du filtre à huile. Après je vais essuyer l'huile qui coule encore, donc vous en aurez toujours un peu d'huile qui coule. Hop. Et je vais remettre tout de suite le bouchon. Voilà. Et après, on met un petit coup de clé pour serrer. Alors, il n'y a pas besoin de serrer très fort. Hein. C'est hop, juste un coup à la main, c'est bien assez. Moi, vous avez vu, quand j'ai démonté, je vous ai dit, c'était pas du tout serré. J'avais pas serré le bouchon très fort et ça n'a jamais fui. Il n'y a aucun problème. Hein. Alors ensuite, on va changer le filtre à air
qui est juste là. Alors pour ça, il y a une vis à ce niveau-là et il y a la même à l'opposé. Moi, j'utilise mon super cliquet là, qui est super bien pour ça. Je mets un embout dessus et normalement, j'arrive à le desserrer. Voilà. Alors, j'ai pas du tout compris pourquoi Renault avait mis des embouts cruciformes en fait pour ça, alors que un embout scipant ça aurait été super bien. Un 10 ou une vis de 8, on n'en parlait plus. Mais non, ils ont voulu mettre du cruciforme. Alors, voilà, le premier enlevé. Enlever le deuxième qui se trouve là. Hop là. Et on tire simplement le bac pour accéder au filtre à air. On enlève complètement. On peut voir que il est un peu encrassé sur le bas là. En fait, le haut était encore bon. Ça va encore. Mais bon, je le change à chaque fois. Voici le neuf. Pour le remettre, on le remet directement dans son emplacement. On le clipse bien dans le fond de la gorge. Et on vient le remettre. Là. Là, on resserre les vis de chaque côté. Et voilà. Je crois qu'en fait, le serrer à la clé, ça sert pas à grand chose. Juste le faire à la main. Très bien, ça ne bouge plus. Alors maintenant, vous avez vu comment on a enlevé la plaque sous la voiture. Maintenant, je vais aller la remettre. C'est exactement pareil que pour l'enlever. Vous la remettez en place, vous resserrez les vis que vous avez enlevées tout au début et votre plaque est remise. Donc je fais ça, on se retrouve juste après. Alors ça y est, je viens de remettre la plaque en dessous, j'ai tout nettoyé, l'huile qu'il pouvait y avoir sous le moteur, donc revisser cette plaque. Maintenant, il va falloir remettre de l'huile dans le moteur, parce qu'un moteur sans huile, je vous le rappelle, ça ne fait pas long feu. Donc là, on va ouvrir le bouchon qui est là pour faire le remplissage. Hop. Donc là, on a la tige pour contrôler le niveau d'huile. Et donc moi, j'utilise cette huile-là. Donc c'est de la Total 540, série 9000. Donc elle est faite pour les moteurs diesel, turbo-diesel. Alors souvent on a de l'huile, c'est de la Total Activa. Cette huile-là, donc de la 540, c'est exactement la même huile que celle-là. La seule différence, et ça c'est ce que j'ai pu voir sur internet, parce qu'en fait on me proposait de la Quartz, et je ne savais pas ce que c'était, moi je mettais toujours de l'Activia. Activia c'est autre chose. En fait la différence c'est que l'Activa elle est faite pour la France exclusivement, et la Quartz en fait elle est faite pour le reste du monde ou de l'Europe, je ne sais plus exactement. Voilà, mais c'est exactement les mêmes huiles. Donc là, on va remplir. Donc dans cette voiture, ce que j'ai pu voir, parce que j'ai pas le carnet de la voiture avec le volume qu'il faut mettre dedans, ça serait, ce que j'ai vu sur internet, entre 4,4 litres et 4,5 litres si on change le filtre à huile. Donc moi, j'ai changé le filtre à huile, donc ce sera 4,5 litres. Donc on ouvre le bidon et on va mettre 4,5 litres. Donc on utilise bien sûr les repères qui sont dessus. Donc là on peut voir qu'on a 5 litres. Donc pour aller jusqu'à 4,5 litres, en gros je vais mettre, je vais laisser déjà jusqu'à 1 litre, qu'il me reste 1 litre. Je ferai le contrôle et on verra après. Donc là il faut bien viser. Alors ça y est, là je viens de refermer donc le bouchon. J'ai mis à peu près, on doit être à 4,5 litres. Maintenant, sachant que la voiture est sur son promontoire où on l'avait fait monter tout au début, et qu'en plus le moteur n'a pas tourné, donc le filtre à huile n'est pas plein d'huile, il va falloir que je fasse tourner le moteur et que je redescende la voiture. Après, on fera un contrôle pour le niveau d'huile à ce niveau-là.
Alors, en attendant que l'huile redescende en bas du moteur pour pouvoir faire le niveau, on va remettre à zéro donc ce compteur là de faire révision qui est juste là avec la clé qui est en bas. Pour ça, il va falloir utiliser le bouton du bas qui est là. Donc simplement, on met la carte dans la voiture. Hop, le contact est mis. Ça fait un test des fonctions. Et là, normalement, ça va nous afficher voilà, le faire révision. Alors moi, je vais juste l'enlever en appuyant un coup sur le bouton. Comme des fois, vous pourriez arriver quoi. À ce niveau-là, vous pourriez très bien arriver à ce niveau-là et ne pas savoir comment arriver à l'enlever. Donc pour ça, ce que vous faites, vous appuyez plusieurs fois sur le bouton qui est là. Donc vous allez en fait faire tourner le menu jusqu'à avoir votre faire révision. Donc là, on est dessus, on reste dessus et on va appuyer longtemps sur le bouton du bas en étant sur l'inscription faire révision. Donc là, j'appuie sur le bouton et je garde appuyé. Alors je sais que c'est un peu long, on va attendre un peu. Voilà. Ah non, j'ai dû relâcher à peine trop tôt là. Donc je rappuie. Le fond du compteur en fait a clignoté là, il m'a affiché 20 000 24 mois et après la clé a disparu. Donc maintenant c'est bon, il est remis à zéro. Alors maintenant qu'on a fait tourner un petit peu la voiture, donc le filtre à huile a été rempli d'huile, je l'ai mis à plat pour pouvoir contrôler le niveau. Donc ce qu'on fait, on ouvre le bouchon qui est là, on a notre tige qui nous permet de contrôler le niveau. Donc on l'essuie un coup avant, hop, on remet dedans et on reprend la tige, hop là. Et là, donc, là, on peut voir qu'il y a déjà de l'huile dedans. On doit être à peu près là, au niveau de mon pouce. Là. Alors, c'est dur de vous montrer, surtout sur une caméra. On doit être à peu près à ce niveau-là. Alors moi, ce que je fais souvent, alors ça, je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que je pense que maintenant, vous pouvez le faire, ça. Je laisse un peu la voiture reposer, que l'huile redescende bien dans le fond. Après, je la refais tourner un petit coup pour que l'huile elle soit pas trop claire. Parce qu'en fait, quand on la met, l'huile est très claire et on a du mal à faire le niveau. Donc, je fais tourner un peu le moteur. Comme ça, ça va la noircir légèrement avec en fait, la crasse qu'il y a dans le moteur. Et là, on va pouvoir voir le niveau. Des fois, bon, bah, je le fais deux heures après, une heure, deux heures après. Ça, c'est pas trop un souci, quoi. Alors voilà, on a fini la vidange de la Mégane 3 1,5 litre DCI de madame. Elle va pouvoir aller en chantier avec sa voiture sans avoir le faire révision à chaque fois qu'il a fait peur. Maintenant, vous allez très certainement me demander combien ça m'a coûté la vidange. Alors en tout, j'ai commandé sur internet, j'en ai eu pour 71 €. Je ne sais plus exactement le site internet sur lequel j'ai commandé, je vous le mettrai dans la description directement. Alors, beaucoup de personnes critiquent un peu les sites internet, les livraisons, tout ça. Moi, ce site-là, j'ai reçu un carton, sans déconner, il était... On aurait cru que personne ne l'avait touché, il était nickel, super bien emballé, enfin tout ça. En plus de ça, donc dans ces 70 €, j'ai eu le filtre à essence, enfin à gasoil exactement. Le filtre à gasoil, dans les 70 €, celui-là, il vaut 27 €. Donc vous enlevez 27 € de 71 €, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais en fait vous voyez que la vidange me revient à vraiment pas cher. Pourquoi je n'ai pas changé? Moi quand j'ai appris à faire des vidanges, on m'a toujours dit on change tout, donc le filtre à gasoil, le filtre à huile, le filtre à air, l'huile, les bouchons, enfin tout, on changeait tout. Et en fait, j'ai regardé dans la documentation de la Mégane et en fait, il s'avère que celle-là, le filtre, c'est 60 000 km. Sachant que je l'ai déjà fait il y a 20 000 km, bon, on va quand même pas jeter de l'argent par les fenêtres. Je vous ferai très certainement une vidéo que sur le remplacement de ce filtre-là sur la prochaine vidange de la Mégane. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu de refaire un peu de mécanique parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Thank you.